Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Histoire de vie. C'est l'histoire de la vie. Bon, on se retrouve donc avec Michel qui est à la fois, enfin voilà, qui s'est fait prendre au club de sport avec Thomas par son ex-petite amie qui lui a roulé une pelle quand elle l'a revu pour la première fois. Ceci a fait un effet papillon de masse qui maintenant, voilà, le gars il a le champ libre, il la manipule, on va croire que c'était fait exprès. À mon avis, la copine de l'ex là a dû lui dire parce qu'on l'avait croisé au parc si vous vous souvenez. Du coup, ça sent pas bon dans l'air. Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode. En tout cas, l'épisode 7 a été très court. De par. Ouais, c'est vrai que ça a été. Bon, après, on est habitué à hein, histoire de vue. Par moment, les objectifs, ça ne dure pas non plus 3 ans. Mais c'est vrai qu'on a plutôt un effet quand on regarde les playlists. Du fait que vous avez par exemple le premier épisode, il va faire 19 minutes ou 14 minutes. Puis ensuite, ça va en rapetissant. Vous savez? Du coup, c'est assez marrant à voir. Le pire, c'était dans Naufragé. Je crois que j'avais une vidéo qui faisait 3 minutes. Bon, voilà, vous faites la vidéo de 3 minutes. En même temps, j'ai pas envie de faire tout filmer d'un coup, puis donner un titre de base. J'ai envie vraiment que ce soit par chapitre, parce que je sais que par moment, les gens, ils sont bloqués dans ces jeux-là. Comme médiéval ou quoi, vous pouvez être bloqué et hop, vous avez le titre de la quête. Bah, hop, ça peut vous aider si jamais moi j'ai réussi. Par exemple. Ça peut arriver. Oh, c'est ça d'ici. Ça peut très bien arriver. Hein. Je veux dire, donc j'essaye de mettre des titres qui sont en rapport avec la vidéo, mais c'est pas toujours évident. Mais au moins, vous pouvez vous en sortir. Du coup, là, elle s'est mise en mode ménage. Hein. Je nettoie tout. Bah, elle fait passer sa crise comme ça. Un véhicule passera chercher, d'accord. Mais moi, j'ai faim. Allez, on va manger un petit peu. Nourrir les poissons. C'est très important. Prendre une douche si on peut. Non. Ah, mince, mes poissons sont morts. C'est mamie qui va pas être contente. Oui, on va aller travailler. On va aller travailler, nom de Zeus. On y va. Voilà, elle est partie travailler. Ça lui fera du bien. Bien sûr, le téléphone sonne toujours quand nous sommes absents. C'est pareil pour les livreurs en vrai, hein. Vous avez toujours un coup de fil où le livreur qui passe déposer votre colis, comme de par hasard quand vous n'êtes pas là. Alors moi j'aime bien, c'est par exemple colis privé ou des trucs comme ça qui vous disent « Nous passerons entre 8h et midi ». Ouais, donc vous attendez, vous vous levez spécialement le matin au cas où qu'il passe au matin de bonne heure. Et moi c'est déjà arrivé qu'il passe avant les 8h ou après les midi. Du coup vous vous levez tôt pour attendre, et vous arrivez midi, midi 30, 13h. 14h, bon ils ont un moyen jusque 18h ils peuvent livrer, hein. Mais c'est déjà arrivé vers 17h. Et alors j'aime bien, c'est parce que ça écrit aussi dans les trucs colis reçu. Et alors que non, le colis n'est pas reçu. Alors on va aller prendre notre bain, fini de tergiverser avec des trucs hors sujet. Bon, je vais aller répondre à ce téléphone, il m'agace, là, ça doit être important pour qu'on m'appelle comme ça en fait. J'ai entendu dire que Thomas et Cindy allaient bientôt se marier. What? Incroyable, non? En ville, tout le monde ne parle que de ça. Apparemment, il veut que ce soit fait le plus vite possible. Wow, je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé avec Thomas. Un peu de shopping me fera du bien. Je vais proposer à Jérémy de m'accompagner. Si ça se trouve, il va m'offrir une nouvelle robe. Peut-être même 4. D'accord, appelez Jérémy. Mais, waouh. En une nuit, le gars, il a déjà fait sa demande en mariage à quelqu'un d'autre. Are you serious, quoi? Ça se passe trop vite, là. Bon, on va appeler un Sims, hein, comme ils disent, parce que là, c'est appelé et non invité. Donc, on va l'appeler. Ouais. Bon, on va juste appeler. Ouais, pas le temps, je dois aller travailler, clic. Oui, c'est bizarre, tout ça. Bon, j'imagine que je n'ai plus qu'à aller toute seule à la boutique du coin. Tant pis pour les robes. Ouais, bah lui, il est space, donc on va aller d'abord faire un pay. Et on va aller manger un petit peu. On va fluncher, les amis. Une petite salade. Hop, c'est parti. Tac, 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 tac. Bon, j'ai pas assez d'énergie, mais c'est pas grave, nous, on va y aller. Donc, shopping, me voilà. À la boutique du coin. Tant pis pour les robes. D'accord. On va appeler un taxi. Michel. La boutique du coin, voilà. Si ça se trouve, on va le retrouver là-bas avec une autre fille.
Nous voici en pleine nuit à la boutique du coin, ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans repos. Bon. À mon avis, il y a un truc qui va se déclencher là, c'est pas normal. Oh, tant de vêtements et si peu d'argent. Comme je dois faire attention à mes dépenses, je vais sûrement essayer d'autres nues. D'accord. Alors, faisons comme si j'étais riche. D'accord, on va juste essayer. On va faire une tenue habillée, tiens. On va faire comme si nous étions riches, voyez-vous. En tenue habillée, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh, tiens, elles sont moches. Hein. On va prendre celle-ci. Pas de signe des deux rouleaux de printemps. Oh! J'avais jamais vu regarder la caméra! Descends pour regarder dans la cabine les pervers. Non mais sérieux, c'est affolant. Regardez, en plus il y a un petit trou là. À mon avis, il y a un... Ouais. Non, c'est bizarre ça, cette affaire. Bon, on va réessayer une. Sous-vêtements. Ça, on a déjà dans l'armoire. Au final, c'est des trucs. Ouais, non, c'est de la merde. On va essayer des décontractés. C'est vrai que je voudrais bien changer un peu de tenue décontractée. Ça fait 8 épisodes que nous avons la même. Et en ensemble, vous avez des trucs moches. Des trucs moches. De toute façon, c'est juste pour essayer. Voilà, on a fait comme si nous étions riches. Oh, regardez! Mais c'est Jérémy Nippé et il colle. Eh! Oh, il lui passe les fesses! Le saligo, il va regretter d'avoir croisé mon chemin celui-là. Je vais lui expliquer que personne ne traite Michel Mabel de cette manière. Alors, retour de la furie. Quelle ordure. Le nécessaire, il n'a pas changé. Se battre et attaquer. D'accord. Alors lui, on va lui mettre une raclée, les amis. Vous êtes d'accord? Et attaquer. Allez, voyons voir la scène. Je vous mets ça en grand plan. N'empêche, il est bête cet homme, hein. Parce que si vous regardez bien, l'autre elle l'appelle pour faire les boutiques et au final il vient au même endroit, il sait très bien qu'il peut retomber sur elle. Pareil, elle l'a vu avec ses trucs brillants. Oh purée. Espèce de. Tu n'imagines même pas que tu viens de... ce que tu viens de perdre, tu vas vite comprendre, Michel. Toi et ta pleurnicheuse de tante. Bon débarrage, n'ai pas besoin de ce genre de mec. Dommage que je m'en sois pas rendu compte plus tôt. Ça m'a évité de perdre ce que j'avais de plus précieux dans la vie. Rien que pour ça, je ne pourrais jamais lui pardonner. Pourquoi parle... Bah oui, pourquoi il parle tout le temps de sa tante? Tiens, Jérémy a fait tomber son portefeuille pendant la discussion. Veuillez voir, 2000 simfous. On va dire que c'est ma récompense pour avoir subi tout ça. Ce qui me ferait du bien de dépenser tout cet argent maintenant. Je crois qu'on va dépenser en fringue. Allez pas... Allez pas l'oublier, tout dépenser. Bah oui, on va aller tout dépenser, on va aller s'acheter des fringues. Bah, une tenue habillée, déjà de base. Et on va lui acheter une belle tenue habillée. Celle-ci, déjà, on va lui... Pourquoi je peux pas? Hop, 400. On va l'acheter décontracté.
on va prendre cette chemise. Ce haut. On se fait plaisir, hein. On se fait zizir, les amis. Voilà. En bas, on va prendre celui-ci. Je sais pas s'il me va, mais c'est pas grave. Celui-ci. Ah ouais, tiens ça. Allez, je pense que ce sera bon. On doit rester un petit truc là, c'est pas possible. On va s'acheter des sous-vêtements, tiens, par la même occasion. Non, acheter... Non, un maillot de bain, tiens, pour l'été. Comme elle en avait parlé. Maillot de bain... Ok. Allez. Après tout, j'avais dit que je voulais que Jérémy m'offre des vêtements. Bah ça c'est cool. Oh non, pitié, pas maintenant, la journée a été suffisamment pénible et il faut que je voie l'homme de ma vie dans les bras de Cindy, la femme à tête de castor. Quel idiot, retomber dans les bras de Jérémy alors que j'avais Thomas, c'en est trop, je veux rentrer chez moi. Chapitre 8, quel sale type, j'ai encore failli tomber dans le panneau. Mais ça n'arrivera plus, ça lui aura au moins coûté quelques dents. La rupture avec Thomas est encore plus difficile à vivre maintenant, je donnerai tout pour qu'il revienne. Ok, bon, on va rentrer les amis, comme à notre habitude, où on va à la maison. N'empêche la rapidité du bazar pour se marier. Mon taxi arrive. Ah, on est rentré en même temps dans la boutique, il lui a même pas fait un signe. Et voilà mes amis, c'est ici que nous allons nous quitter. Je vous dis donc à la prochaine pour la suite et surtout portez-vous bien, sous-sous.